ce fut compliqué, mais on y est arrivé avec le curé à faire sonner les cloches juste à la fin du morceau. On est vraiment les professionnels de toute façon. Quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Donc nous allons chez l'ami de la culture. Parfait. Écoute la Bézère, j'ai des choses à t'écrire. En parcourant ta terre où l'histoire champignonne, tandis que je passais, je n'ai pu repartir ailleurs, de toute façon ne m'attendait personne. Ce besoin que j'avais d'armure et de muraille enfoui dans mon enfance, ma tourbe de gamin, je l'ai vu ressurgir dans ses moindres détails, quand mes rêves buissonniers s'évadaient le matin. Tes limpides murmures des siècles qui résonnent m'ont fait dresser l'oreille pour mieux les écouter. J'entendais ricocher le passé qui fredonne sur l'onde du présent mes songes oubliés, leurs malles de château. Et leurs légos des ruines, leurs donjons en bataille contre le temps qui passe à côté de l'oubli et sa dague assassine, sanguine éternité qu'on peut suivre à la trace. Du versant où je vis jusqu'au versant d'en face, il y a la vallée où coulent les saisons. Le soleil qui s'y couche semble laisser sa place aux étoiles traversant l'espace. D'un plongeon, va voir dans la forêt ce que l'arbre nous cache, tu n'en reviendras pas les mains au fond des poches. Il est des discussions qui jamais ne nous fâchent. Plus la fleur est légère, plus la cueillette est proche de cèpes à l'affût, de la moindre ripaille, nous poussant avant l'aube à sortir le couteau et prendre une panière, disons de bonne taille, pour mettre leurs pieds par-dessous le chapeau. Et tant d'autres saveurs nées de la gourmandise, l'âme périgordine se mangeant sans fin. Le foie gras et la truffe au confit rivalisent pour se mettre d'accord sur le choix du festin. Tout cela en un lieu inscrit sur mon destin où des châteaux de brume flottent comme un mirage que l'on peut visiter sur la carte des vins. L'on peut revenir au temps du Moyen-Âge. Écoute la Bézère, t'apprend son langage. Elle te donne son cours au détour d'un ruisseau. Sur les flancs des coteaux, elle t'offre son image, une carte postale. Se passant de mots, écoute la Bézère. Thank you.
Alors Eric, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que c'est que cet instrument que tu joues depuis des années? Depuis combien d'années d'ailleurs? Oh là, c'est une petite éternité, c'est ça que ça a commencé au siècle dernier. Ah Il y bah a oui. déjà, ouais, avant, bon, c'est pas avant Jésus-Christ, mais quand même. En fait, c'est un, voilà quoi, c'est une épinette de Gérard May. Celle-ci, c'est une épinette de Gérard May qui a été faite par Monsieur Georgel, luthier de par métier. Et elle est vraiment particulière avec cet arrondi ici qu'on voit au cordier, ici juste au clavier là. Avec cet arrondi, donc ça lui donne un son vraiment particulier, quoi. Là, je l'accorde d'une différente façon, mais celle que j'ai accordée là, c'est parce que je fais beaucoup plus de mélodies que je ne fais de musique traditionnelle. C'est-à-dire que à la base, c'est fait pour faire les bourrées, les scotis, tout ce qu'on peut faire en musique traditionnelle. Mais là, au fur et à mesure des années, tout ça, j'ai commencé à être plus dans le mélodique. Et en fait, il y a aussi des incrustations. On peut bien sûr les. Là, ici, il y a un butterfly, il y a un papillon d'incrusté dans le bois. Bon, il y a cinq. Il peut y avoir six cordes. Là, j'en ai mis que cinq. On peut faire les sillets ici. On peut refaire le sillet pour en rajouter une sixième, c'est-à-dire une quatrième au bourdon. Il y a deux cordes chanterelles. Et quatre normalement, enfin normalement ou pas, moi bon, j'en ai trois, ça suffit, et trois ou quatre bourdons, voire plus. Il y a des épinettes, bon celle-ci c'est une diatonique, il y a des chromatiques, où il y a beaucoup plus de cordes aussi, alouettes, ou parfois trois cordes pour les chromatiques, parfois il y a trois cordes aux chanterelles, et ainsi de suite. Il y a les épinettes qui jouent sur table, sur les genoux, sur table. Il y a la petite, l'épinette du Val d'Ajol, ouais, elle est beaucoup plus petite et pour faire les morceaux très rapides, c'est très bien en traditionnel. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur internet, maintenant qu'on a les outils, l'épinette de Gérard May, vous tapez. Si jamais vous voulez vous avez des questions à poser à un luthier, par exemple, je peux aller chercher Christophe Toussaint, qui est luthier d'épinette des Vosges. Et très très bon d'ailleurs. Et n'hésitez pas à aller sur son site, il a un site internet. Et c'est vraiment relativement agréable de discuter avec lui parce que c'est un puits d'humour, de science et d'intelligence, quoi. Donc voilà, ben, je vous invite à aller voir sur internet. Christophe Toussaint, donc c'est un luthier qui en fabrique. Il y en a d'autres, hein, ils sont à plusieurs, il y a bien sûr d'autres luthiers et aussi beaucoup de musiciens qui en joue là-bas. Et je sais si ce sont c'est de l'excellence en matière, pardon, traditionnelle. Donc n'hésitez pas une seconde à aller voir ces gens-là, à les écouter, parce que vous aurez sur Internet, bien sûr que vous pourrez l'entendre, l'épinette, dans toutes ses fonctions, quoi, dans tout ce qu'elle sait faire, par des mains expertes dans cet instrument-là. Est-ce que tu peux me dire quels sont les bois Ben, et... certains utilisent de l'épicéa, la plupart du temps c'est de l'épicéa. Là, j'en ai en merisier, il y en a, enfin, pas mal de bois maintenant hein, qui sont utilisés pour faire les épinettes. Mais la plupart du temps c'est l'épicéa et ainsi de suite. Les tables de jeu, la table de jeu ici, bon, c'est différent. La table de jeu ici, c'est du palissandre. Donc, bois très dur. Donc, voilà, c'est du palissandre, on peut le voir. Et puis surtout, ici, cette forme-là, ce qui lui donne la rondeur dans le son, c'est extraordinaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne balade au travers Internet, une bonne balade musicale à vous toutes et à vous tous. Et comment tu écris balade? Avec un seul L, d'abord pour commencer, avant d'en mettre deux. Hein, deux ailes et pour s'envoler vers des musiques traditionnelles de bonheur. Soyez heureux. À très vite. Merci Eric. Ah, ciao. Et vive l'enracinement entre le Périgord et les Vosges. Voilà. Faudrait créer une rivière entre les Vosges et la Dordogne. Et la Vézère. Voilà. Et la Vézère. Voilà, parce qu'on est Vézère, là. On est les pieds dans la Vézère, là. Ouais.
Ah, regardez, la preuve. Et juste derrière, c'est la Vézère, à sa source, à la tourbière de Longjéroux. Et pour faire justement un petit peu de pub, elle est imprimée à Gérardmer. Voilà, vous avez entendu, c'est l'appareil photo, c'est la caméra qui vous parle. Hein. voilà, alors imaginez, c'est incroyable. Voilà. Et je vais me mettre à la vidéo. Et voilà, le blanc, là. Voilà, voilà avec deux artistes, Éric Boyer, Jérôme Mutin, et prochainement, pourquoi pas, un concert à Gérardmer. Voilà. Un concert à Gérardmer, on va demander à UP Textile, qui a écrit primé la photo derrière, s'ils sont partants de faire une porte ouverte dans leur imprimerie, dans leur usine textile, avec nous deux, comme grand artiste, patrimoine vivant de l'humanité. Ouais, allez, à bientôt. Ciao.